Alors la dénutrition, c'est la conséquence d'une diminution des apports alimentaires et ou d'une augmentation des besoins énergétiques de l'organisme du fait de la maladie. Il faut savoir que 40% des patients traités pour un cancer sont dénutris et 83% des patients sous traitement déclarent moins s'alimenter. Lorsqu'un patient est suivi pour un cancer, plusieurs facteurs peuvent jouer sur ses apports alimentaires, notamment à cause des traitements. Des troubles de l'appétit, une satiété précoce, des troubles du goût et de l'odorat, des troubles de l'humeur, de la fatigue, tout ça peut jouer sur l'appétit. D'autre part, des troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, ou encore d'autres troubles comme des difficultés à mastiquer et à déglutir, une difficulté à respirer ou de la fatigue tout simplement. Et enfin, le fait de suivre des régimes restrictifs comme le jeûne, le régime cétogène ou même un régime sans sel. Bien sûr, parce que la maladie consomme de l'énergie, tout comme les traitements d'ailleurs, chimiothérapie, radiothérapie. Oui, et la répercussion immédiate est une perte de poids involontaire et qui peut paraître anodine, mais dont les conséquences sont souvent importantes. Une fonte de la masse musculaire, baisse de la force musculaire associée, une augmentation du risque d'infection, de la fatigue, un risque de chute, l'augmentation des effets secondaires des traitements et même la diminution de l'efficacité de ces traitements.